Qui parmi vous n'a jamais eu peur? So who amongst us has never been afraid? La peur, c'est terrible quelquefois. Sometimes fear is terrible. Une souris ou un mille-pattes? A mouse or a centipede. Et on monte sur une chaise. And we climb up on a chair. Ou bien une ombre dans la nuit. Or that darkness in the night. On ne marche plus. We don't walk anymore. On court. We run. Il arrive que nos projets quelquefois soient menés par la peur. So sometimes our projects are led by fear. Je donne un exemple. I'll give you an example. Nous étudions super bien. So we study and we study hard. Puis au moment où on a notre examen à l'oral, and when it's time to take that test, that la peur arrive. Fear comes. Et hop. And hop. On oublie la moitié de ce qu'on a étudié. We forget half of what we learned. Ça vous est déjà arrivé? Is that happened to you? Ça vous est déjà arrivé, hein? Oui? Yes, it happened to you. Mm-hmm. Yes. Nous arrivons dans un nouveau lycée. We arrive at a new high school. On ne connaît personne. We know no one. On a peur de ne pas être accepté. We are afraid to not be accepted. On a peur du regard des autres. We are afraid of how people will look at us. Parce qu'on est nouveau. Because we're new. Parce qu'on est différent. Because we might be different. Nous avons peur lorsqu'il y a des événements qui se passent et qu'on ne connaît pas la suite. And when there are things that happen in our lives where we don't know what's really going to happen. Et dans le monde. In the world. Vous ouvrez la télévision. You turn on the television. Enfin, si vous regardez le journal télévisé. That's if you look at the news of the day on et television. Et vous voyez les combats. And you see the battles. Vous voyez les souffrances. You see the suffering. Vous voyez les séparations. You see the separations. Et il y a encore plein d'autres exemples. And there are a lot of other examples. Où l'estomac est noué. Where your stomach is in a knot. Et la peur arrive. And you are afraid. Même dans les Écritures, even dans in la the Bible, scriptures of the Bible. Zacharie est à l'hôtel. Zachariah is at the hotel. Et il voit un ange apparaître. And an angel appears to him. Bien sûr qu'il a peur. Well, of course he's afraid. Je pense pas qu'il a vu un ange avec deux ailes tout vêtu de blanc, si mignon soit-il. I don't know, you know, an angel appearing with wings and looking all different than you. Et puis Marie. And what about Mary? Vous connaissez Marie? You know Mary. Pas Marie de l'autre côté, hein? Marie dans la Bible. Mary in the Bible. Cette Marie-là, soudain, un ange lui apparaît, puis lui dit, tu vas enfanter. Bien sûr qu'elle a peur. So this Mary in the Bible, an angel appears and says, you're going to have a child. Well, of course she's afraid. Et la meilleure manière de relever la peur, vous savez comment il faut faire? And the best way to relieve this fear or not to not be afraid is juste rester dans un endroit sécurisant. To stay in a secure place. Ne sortez pas. Do not go out of that place. Vivez avec les gens que vous connaissez. Live with people that you know. Vivez avec les gens que vous aimez, que vous avez confiance. Live with people that you have confidence in and that love you. Au moins avec eux, vous êtes sûr. At least there, you're sure. Vous êtes en sécurité. That you're in security. Occupez-vous de vous et de vous seul. Take care of yourself and only yourself. Ne vous souciez pas de ce qui se passe dehors, parce que si vous voulez pas avoir peur, occupez-vous de vous-même. Just take care of yourself. Avec une telle sécurité, with a security system like that, une telle zone de confort et d'assurance, and a comfort zone around you like that, vous n'aurez plus peur. You'll not be afraid anymore. Puisque vous êtes avec ceux que vous aimez. Pardon? Vous êtes avec ceux que vous aimez. You are with who you love. Mais non. But no. Non. No. Non. No. Parce que ce n'est pas comme ça que nous sommes appelés à vivre. That is not the way we are called to ce live. Ce n'est pas comme ça que nous sommes appelés à être. It is not that way that we are called to be. So my family, my wife Medora and McLean and I, we read the mission prayer every morning before we go out the door. Donc ma famille, tous les matins avant que nous sortions de la maison, ma femme Medora, mon fils et moi, nous lisons la prière de mission. You can't miss it. It's taped to the wall just to the right of the door in big bold letters as you leave. Non, vous pouvez pas le rater. C'est écrit en grosse police et c'est sur le côté droit de la porte avant que tu quittes. And it says God. Et il dit, Dieu, where will your spirit lead today? Où ton esprit mènera-t-il aujourd'hui? Help me be fully awake and ready to respond. Aide-moi à être éveillé et prêt à répondre. Grant me the courage to risk something new. Donne-moi le courage de risquer quelque chose de nouveau. And be a blessing of love. Et d'être une bénédiction d'amour. And peace. Et de paix. Amen. Amen. For me, it was a normal Sunday morning in early March. Pour moi, c'était un
dimanche normal, au début de mars. And we had just read the mission prayer. Et nous venions juste de lire la prière de mission. Our two cars were in the front driveway as we walked out the door. Et nos deux voitures étaient dans l'allée. We headed, Madora and McLean headed towards their car. Et Madora et McLean sont allés vers leur voiture. And as I left, little did I know that God would answer this prayer within 10 feet of my front door. Et je ne savais pas que Dieu allait répondre à cette prière que j'avais faite juste 10 pas après avoir passé la porte. So as I passed my car to my left, et alors que je passe du côté gauche de ma voiture, I noticed some movement within the car. Et je vois un mouvement dans ma voiture. My first thought that was McLean was playing a game and got in the wrong car, and I was about ready to say, "Get in the right car." Et ma première pensée était que McLean était dans la voiture et j'allais lui dire, "Ben, sors de ma voiture." But I saw that someone was laying in my driver's seat. Mais j'ai vu quelqu'un allongé sur le siège du conducteur. The seat was laid back. Et le siège était baissé. And a head of hair. Dreadlock hair rose up slowly. Et il y avait une petite tête qui s'est relevée tout doucement avec plein de dreadlocks. And peered out, his eyes peered out at the lower part of the window. Et on arrivait à voir ses yeux juste un petit peu au-dessus de la fenêtre. My first thought is all of ours was panic. Ben, ma première chose était panique, voyez. I must not have locked my car. I always lock my car. Ben, j'ai sûrement pas fermé ma porte, mais pourtant moi je ferme toujours ma porte à clé. So I opened the door. Alors j'ouvre la porte. And I was quite sharp with my question. Et j'allais venir avec une question tranchante, quoi. What are you doing in my car? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? The man said, "Well, I got in to keep warm." Et l'homme me répond, mais je suis entré pour pouvoir me réchauffer. I thought to myself, "Should I be calling the police?" Et je me suis dit, est-ce que je dois appeler la police? But I could hear God's loud voice at that moment saying to me. Mais j'ai pu entendre la voix de Dieu me dire à ce moment-là. Steve, I am here. Steve, je suis là. I am right here. Je suis juste là. What are you going to do about it? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ça? You have just walked out your front door after praying the mission prayer. Par la porte et après avoir lu ta prière de mission. And I am in your seat. Et je suis sur ton siège. In your car. Dans ta voiture. Ready to go. Prêt à partir. Where are we going? Où est-ce qu'on va? I asked him his first name. Et je lui ai demandé comment il s'appelait. He said Trevor. Il me dit Trevor. He looked pretty ragged. Il paraissait un peu mal en point. Baggy eyes with lack of sleep. Avec les yeux cernés parce qu'il ne dormait pas beaucoup sûrement. And seemed as shocked as me as we were looking at each other. Et il avait l'air d'être aussi choqué que moi alors qu'on se voyait. So I asked him, where would you like to go? Alors je lui ai demandé, mais où est-ce que tu veux aller? He said, to the bus. Il me dit, au bus. So I waved Madora and McLean on to church. Et donc je dis à Madora et à McLean aller à l'église. And I told Trevor to get out of the seat and to get in the passenger seat. Et donc je dis à Trevor de prendre le siège d'à côté du passager. So I got in the driver's seat and we headed to Walmart where the bus stop was. Et je m'assois sur le siège du conducteur et on va vers le Walmart. So at this point, our security person John Bullard here would say I flunked security 101. À ce moment-là, John Bullard, c'est celui qui s'occupe de la sécurité ici. Il aurait dit, ben là, tu as tout loupé ton examen de sécurité. I'm getting in a car with an unknown person and heading down the road. Je suis dans une voiture avec une personne inconnue. But I found myself telling him that I was glad that my car was unlocked so that he could find a warmer place to be. Mais je me suis dit, j'étais contente que la voiture n'était pas fermée parce qu'il a pu avoir un endroit pour se réchauffer. He thanked me for not calling the police. Il m'a remercié de ne pas avoir appelé la police. And on the way to the bus stop, Madora called me just to check in to see if I was all right. Et alors qu'on allait sur au bus, Madora m'appelle pour savoir si ça va. And reminded me that our congregation Good Shepherd was serving breakfast and would Trevor like to something, you know, to eat before he heads on his road. Et elle m'a rappelé que notre congrégation, le bon berger, avait de la nourriture à distribuer, des repas, donc peut-être que Trevor voudrait venir. So I asked him if he'd like to eat and go to church and eat, and he said yes, so we Et donc je lui demande, est-ce que tu veux venir et manger un petit peu à ma congrégation? Et elle dit oui. So we headed to church and entered the gym where the food was laid out. Et on va à l'église et voici dans le salle gymnasium, il y a le repas. We got some food and coffee and sat down and started talking. Nous avions la nourriture, le café, on s'est servi, on s'est assis.
I found out that he was 21 years old and he had a good contract working job. Et j'ai su qu'il avait 21 ans et qu'il était travailleur dans la construction. He had had an argument with his fiancée the night before, and she stopped the car. Avec sa fiancée la nuit d'avant. She stopped the car, he got out. Ah, donc elle a arrêté la voiture, il est sorti. And she drove off without him and left him behind. Et elle est partie sans lui, elle l'a laissé derrière. But he didn't think she was going to drive off and not come back. Ben, il ne pensait pas qu'elle allait partir et plus jamais revenir. But he said it had been a rough night. Et il a dit que c'était une nuit très dure, très difficile. So I asked him if he'd like to stay for church. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu veux rester à l'église? He said he didn't go to church, but he probably needed it. Oh, il me dit, moi je ne vais pas à l'église, mais j'en ai peut-être besoin. So I invited him to stay. He said yes, and I explained. Alors je l'ai invité de rester. And I explained a little bit about the communion service that he was going to partake, and all the parts that you know that he should feel free to partake if he'd like. Et je lui ai expliqué un petit peu. Voici la communion que tu vas participer. Comment ça va se passer? Que tu peux en prendre aussi. I was amazed, but not really, at the members of the congregation, how many came and sat and introduced themselves and talked with us. Alors j'étais étonnée, mais pas vraiment, du nombre de personnes de la congrégation qui sont venues le rencontrer et s'asseoir avec nous. So when Trevor had to go to the restroom for a minute, my son McLean came running up to me. Et lorsque Trevor est allé aux toilettes pendant un moment, son fils McLean est venu vers lui. And said that a very generous member came up to him and said. Et a dit que un membre très généreux est venu vers moi et m'a dit. Would you like to be my ambassador today again? A dit à McLean, est-ce que tu veux être mon ambassadeur encore? And she said, and he said yes, and gave him a $20 bill. Et McLean répond oui, alors cette personne lui donne 20 dollars. And he knew that that meant that it needed to go to someone in need. Et il savait que cet homme était quelqu'un dans le besoin. Voilà. And so McLean gave me the $20 bill and said, maybe I could find a time to give that to Trevor when the time was right. Et alors McLean lui donne ce 20 dollars pour lui dire, peut-être que tu auras le temps pour remettre à Trevor. So I put that in my pocket with that in mind. Et j'ai mis ça dans ma poche avec ça dans l'esprit. So Trevor and I proceeded into the sanctuary and sat in the back row together. Donc Trevor et moi on va dans le sanctuaire et on s'assoit à la dernière rangée. He took the bread and wine. Il prend le pain et le vin. And we sang hymn number 526. Et nous avons chanté le hymne 526. And the words of that second verse, which I'm going to read now, again, was like the loud voice that morning that I had heard. Et les paroles du deuxième paragraphe me rappellent encore ce que j'avais lu le matin. Is there one who's been rejected? Celui qui a été rejeté. Left alone or left behind. Laissé seul, laissé derrière. Walking through the lonesome valley. Marche dans la vallée de la solitude. Where new hope is hard to find. Où l'espoir nouveau est difficile à trouver. Come and find a place at the table. Viens et trouve une place à la table. With a people called by grace. Avec les personnes appelées par la grâce. And let hope be sought and nurtured. Et laisse l'espoir te rechercher et te nourrir. In this gentle and loving place. Dans ce lieu aimant et compatissant. After the service, Trevor was comfortable and stayed for potluck. Et après le service, Trevor est resté avec lui au repas partagé. We ate with new friends. Nous avons mangé avec des nouveaux amis. And then we proceeded to head to the bus. Et puis nous sommes allés au bus. And on the way to the bus, I spoke to Trevor and said that I had hoped that this morning had been helpful for him. Et en allant au bus, je dis à Trevor, j'espère que l'expérience de ce matin, ça t'a aidé. In offering a place of peace. En lui offrant un endroit de paix. Where relationships and the well-being of all are important. Où les relations et la valeur de tous est si importante. So, and I hope that he's in a better place to now go deal with the issues he would be facing at home. Et j'espérais qu'il était à une meilleure place pour pouvoir vivre ces défis qu'il va rencontrer chez lui. He said he was just very appreciative and started talking more to me than he had all morning. Et il dit qu'il a beaucoup apprécié et qu'il a commencé à parler un petit peu plus avec moi. He expressed that our church didn't seem like his parents' church. Il dit que notre église ne ressemble pas à l'église de ses parents. Which was a church that seemed to him more impersonal. Et pour lui, qui paraît une église plus individuelle, plus personnelle. And where he really felt like he couldn't have his own opinion. Et là où il peut pas vraiment donner son opinion.
He said, this morning didn't feel like that. It felt different. Il dit que ce matin, c'est différent. Il ne s'est pas senti comme ça. Everyone was so nice. Tout le monde avait l'air si gentil. And I said he was welcome back anytime. Et je lui ai dit, tu es le bienvenu à tout moment. I then said goodbye to Trevor at the bus stop, reached in, got the $20 bill, gave it to him, and wished him God's peace. Et je dis au revoir à Trevor au bus, je lui donne les 20 dollars, et je lui dis ben, que Dieu t'accompagne avec sa paix. And so when I pulled into my driveway a few minutes later, reflecting... Alors lorsque je sors de là où il y avait le bus, I was reflecting on everything that happened that morning. J'étais en train de réfléchir à ce qui s'est passé ce matin-là. And my eyes looked down into the cup holder of my car. Et mes yeux regardent le porte-gobelet dans la voiture. And I couldn't find the entry keyless remote and keys to my friend's house that I was taking care of. Je ne pouvais pas trouver la clé de la maison de mon ami. Oui, la clé de la maison de mon ami. I looked everywhere in the car and I knew they were there. I'd used them the night before. Et je sais que les clés étaient là parce que je les ai utilisées la veille. So I then headed back to the bus stop to find Trevor about about his missing keys. Je rentre à l'arrêt du bus pour essayer de voir Trevor et demander est-ce qu'il sait quelque chose sur les clés. When I got to the bus stop, I couldn't find him, but there was a McDonald's next door, and I thought maybe he went in there, so I ventured in there to see if he was there. Et alors, lorsque j'arrive à l'arrêt du bus, je ne pouvais pas le trouver, donc je vais au McDo à côté pour voir s'il était là. And sure enough, he was there walking down the aisle of McDonald's. Et il était là-bas dans la ligne au McDonald's. And he was counting $1 bills. Et il était en train de compter $1. And so I touched his shoulder and he turned and saw me. Turned and saw me. Et il s'est tourné et il m'a vu. He was a little shocked, but then I asked him about the keys. Il était un peu choqué, et ensuite je lui ai posé la question pour les clés. I told him I wouldn't be upset if you could just give them back to me. Je lui ai dit, je vais pas être fâché, je ne serai pas fâché si jamais rends-moi les clés. He said I didn't take them. Did you look in the driveway? Alors il me dit, mais j'ai pas pris les clés. Est-ce que tu as regardé dans l'allée? I said no. I would non. Go home and look, and mais I said je vais goodbye. Rentrer à la maison et je vais aller voir. I wished him well once again. Wished him well once again. Et encore une fois, je lui ai dit. But I was a little distraught at this open-ended mystery. Je lui ai souhaité une bonne continuation, mais j'étais un petit peu désemparée à travers ce mystère qui n'était pas qui était ouvert. So as I headed out, he yelled my name, Steve. Et alors que je sortais, il appelle mon nom, Steve. And he said, you know, I just wanted you to know I paid it forward. Et je veux juste que tu saches que j'ai payé en avance. He then turned and pointed. Et alors il se tourne et il désigne. To an old man at a table eating a sandwich. Il désigne un homme assez âgé sur une table qui était en train de manger un sandwich. The old man looked up and smiled at me. Et l'homme assez âgé me regarde et me sourit. Trevor said, I bought this man his lunch and paid it forward. Et Trevor dit, j'ai acheté le déjeuner de cet homme. I smiled at Trevor and said, good job. Et j'ai souri à Trevor en lui disant, bon travail. In my ongoing reflections of this encounter, et de cette rencontre, j'ai eu des réflexions continues. Firstly, I knew that I could count on my congregation. La première chose, c'est que je savais que je pouvais compter sur ma congrégation. And their open-armed response to whoever I would bring to church. Pour répondre avec les bras ouverts, toutes les personnes qui viennent à l'église. Their response was amazing. Leur réponse était incroyable. But not really a surprise because of who I know them. Mais ce n'était pas vraiment une surprise parce que je savais comment ils étaient. Trevor witnessed a loving and caring community. Trevor a expérimenté, a été témoin d'une communauté emplie d'amour. Isn't that what it's all about? Est-ce que ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui? The next day, when I returned home from work, le jour suivant, alors que je revenais du travail, I walked from my car up the front steps of my door. Et to my de ma voiture, je sors et je marche vers la porte. And sitting on the top maison. Step of the porch were the set of keys. Et à la première marche de la maison, voici les clés. And the remote that had been missing. Et la télécommande qui manquait. Trevor had returned the keys. Trevor avait rapporté les clés. It was a tearful moment for me, if I'm being honest. Avec des larmes pour moi. A surprise, but not really. Une surprise, mais pas autant.
Trevor's paying it forward of the money he had received and returning the keys to my front doorstep. Donc Trevor a rapporté les clés de mon ami. It speaks so loudly of someone touched by the spirit of transformation. C'est une voix très forte de quelqu'un qui a été touché par l'esprit de transformation. I was so proud of Trevor. J'étais tellement fier de Trevor. But one more thing, since this event, mais une chose encore, depuis ce moment-là, I've continued to ponder its meaning for me in my life. Je continue à réfléchir à la signification de cette expérience pour ma vie. God pushed me to a place that I was uncomfortable. Dieu m'a envoyé à un endroit où je n'étais pas du tout confortable. A place I would not go myself. Un endroit où moi je n'irai pas moi-même. So he placed Trevor in my path. Donc il a mis Trevor sur mon chemin. Where I could do nothing but face it. Mais je pouvais rien faire que de faire face à ça. And make my own personal decision of what actions I was going to take. Et prendre mes décisions personnelles sur qu'est-ce que je vais faire, l'action à prendre. Society would say I should be upset. La société m'aurait dit tu devrais être fâché. I have an intruder in my car. I should call the police. Dans ta voiture, tu appelles la police. But I didn't make that choice. Mais je n'ai pas fait ce choix. My own initial reaction of what are you doing in my car? Ma première réaction était qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Changed very quickly to a changé rapidement. I'm glad my car was open. Je suis content que ma voiture était ouverte. For you to find a warm place to rest. Pour toi, pour trouver un endroit où tu peux te réchauffer. Doctrine and Covenants 163, 3b tells us. La Doctrine et Alliance 163, 3b nous dit. Courageously challenge cultural, political and religious trends. Partagez généreusement l'invitation, les ministères et les sacrements par lesquels les gens peuvent rencontrer le Christ vivant qui guérit et réconcilie par des relations. That are contrary to reconciling and restoring purposes of God. Pursue peace. Busquen la paz. Oh, et poursuivez la paix. Alors, avec cette histoire de Trevor, so, with this story about Trevor, une invitation, an invitation, ne laissez pas la peur déterminer votre vie. Don't let being afraid determine things up front. Ne laissez pas la peur définir vos choix. Do not let fear define your choices. Que la peur n'alimente pas la séparation. That fear, may fear not inflame or help the separation. Chacun de vous ici est aimé. Each one of you here is loved. Chacun de vous ici est précieux. And each one of you here is precious. Toi, you, toi, you, toi au fond, you back in the back, aussi, and right there too, moi aussi, and me. Que Dieu nous donne des dons. Dear God has given us gifts. Des dons pour que nos vies soient belles. Gifts for, so that our lives might be beautiful. Alors il faut les utiliser. So we must utilize them. Développez-les. Develop them. Dans vos relations. In your relationships. Avec tout le monde. With everyone. Il y a tellement à découvrir. There is so much to discover. Il y a tellement de relations de paix à forger. There is so much of peace relationships to develop. Mais à partir de maintenant. And from right now. Nous avons entendu une chanson. We have heard a song. C'est bien beau de venir chanter. It's very nice to come and sing. Il est temps de transformer quelque chose. But it's time to transform something. De se lever. To get up. Et ensemble de dire, il est temps de transformer quelque chose. And to sing, it is time to change something. Mais c'est votre message. But it's your message. Je peux transformer quelque I can transform someone. Et je ne laisserai pas la peur. And I will not let fear. Je ne laisserai pas la peur. I will not let fear guider ma transformation. Guide my transformation. Il est temps de faire quelque chose. It's time to do something. Qu'est-ce que vous en pensez? What do you think? Est-il temps de faire quelque chose? Is it time to do something? Lorsque vous chanterez la chanson que vous avez chantée. When you sang the song that you sang. Pensez-y. Think of it. Pas que des mots. Not just words. Une transformation. A transformation. Allez maintenant. Go now. Et n'ayez pas peur. And do not be afraid. Et ne tengan miedo.